Yo la famille, c'est Ado, j'espère que vous allez bien. Les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de la finale pour la qualification au week-end, à la Ligue Week-end si vous préférez. On m'avait demandé plusieurs fois en commentaire la semaine passée comment faire Ado pour me qualifier à la Ligue Week-end. Alors voilà, donc personnellement j'ai pas pu finir mon Foot Champions la semaine passée, là j'arrive en finale. Franchement c'était assez compliqué, j'étais même assez étonné du niveau affiché en compétition élimination directe. Alors c'est peut-être parce que le dernier week-end, franchement il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur match même s'ils avaient le niveau etc. Tout simplement à cause de la match qui était difficile. Là franchement j'ai eu pas mal de difficultés à me qualifier jusqu'en finale. J'ai gagné le dernier match 2-0 mais c'était franchement difficile. Là je l'ai gagné 2-1 alors que j'étais mené jusqu'à la 70e. Et là j'ai gagné 2-2 au pénalty. Franchement c'était très très compliqué, j'ai changé mon équipe pour la finale, enfin pour les demi-finales, et là je vais la réutiliser pour la finale. Là voici les frérots, donc voici mon équipe à la base, vous connaissez mon équipe, hein. Il y a du Chiellini, il y a aussi du Alexandro et du Matuidi. Là j'ai mis Rui Costa parce que franchement j'aime bien, j'ai mis Ashley Young sur le côté qui franchement m'a fait un bon match, un bon premier match, et Marco Sorojo en défenseur central que je trouve juste énormissime. Enfin bref, franchement, ça a été très compliqué jusque-là. J'ai trouvé sincèrement que mon hybride était assez bizarre, vraiment mauvaise. Alors c'est peut-être le lien rouge entre le défenseur et De Gea qui fait que le gardien est nul. Parce que j'ai testé beaucoup de gardiens, ils étaient tous nuls. Et là, j'ai testé avec Marco Sorojo et De Gea m'a fait un excellent match. Donc je sais pas, peut-être que ça marche plus, peut-être que les hybrides avec le gardien, etc., ça marche plus trop. Donc on verra bien. Là, pour le moment, ça le fait. J'espère que ça va le faire pour la finale. Donc on va voir niveau forme est-ce que ça va. Franchement je vais même pas prendre de risque, je vais appliquer un élément parce que c'est important d'avoir toute la forme sur ces joueurs. Je vais pas prendre de risque les mecs. Et le niveau est très très bon. C'est parti les frérots. Pour ces qualifications en Ligue Week-end, il fallait une note de 83 de général. Ok, donc on a du Antonio, Vardy mon cauchemar, Son, Bakayoko, Walcott. Ah ouais, le mec il a pas respecté les postes. Vraiment pas. Vertonghen, Begovic qui est monstrueux. Ouais. On va voir ce que ça donne. Après, je comprends pas pourquoi le mec a pas respecté les postes. Vardy, les mecs, franchement, il est très très bon. Hein. Il est vraiment très très bon, très rapide, très efficace face au but, c'est incroyable. J'aime pas du tout ce joueur quand je tombe sur lui. Bien, De Gea. Allez, Sané. Ah, le petit hors-jeu. Dommage. Allez, le petit lob peut-être. Ah non, je pensais que c'était le gardien qui avait passé le ballon. Ça aurait été bien. Aïe. Begovic qui est sur le ballon. Encore une fois. Très fort le petit Bigot. Allez Sané. Non, Begovic encore une fois les mecs. Begovic, faut arrêter un petit peu. Allez. Ah, dommage. Ah, ce Begovic. Il me rend fou, les mecs. On est à combien d'occasions? Mais non, c'est pas possible. Je mène la danse. Allez. Putain. J'aurais pu assurer le but en passant à Rui Costa, mais je voulais pas faire une PES.
Je devrais, les mecs, je devrais. Le gardien qui est encore dessus. Begovic est vraiment bon, hein. Dommage. Dommage, dommage. J'avais vraiment tout l'espace à côté qui était vide. Allez, le petit carton rouge. Il est en train de craquer, c'est bien. C'est bien, ça, c'est bien. C'est parfait. Le petit bug. Le petit bug sur une offensive de l'adversaire. Et putain, elle est dedans. Elle est dedans. Super jeu, super jeu. Super jeu. Quel jeu, quel jeu. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est hallucinant. Hallucinant, sur un bug. Quelle honte. Penalty. Une chance de revenir. Non mais ça me rend dingue les mecs, ça me rend dingue, ça me rend dingue. On mérite amplement de gagner le match. Et comme j'ai pas de chance, il va sûrement pas rentrer. Et oui, 1-1. On peut pas perdre comme ça, les mecs. On peut pas. On n'a pas le droit. Allez, c'est parti pour les prolongations. Allez! Mais faut arrêter! Faut arrêter! C'est ça! 2-1. Totalement mérité. Totalement. C'est incroyable. Il faut tirer 40 fois pour marquer. 40 fois. Et Sterling qui se loupe. Allez, on va essayer de tuer le match. Et oui, 3-1. C'est ça, les mecs, c'est ça. Enfin, on est récompensé. On a souffert, mais on est récompensé. Begovic qui l'a quand même énormément sauvé pendant ce match. Allez. Le petit bug encore. Non, c'est fou. C'est dur, les mecs, de vivre en coloc. Quand vous vivez en coloc, c'est vraiment compliqué de jouer. Vous n'avez pas une bonne connexion. J'ai entendu dire, les mecs, qu'en France, certains pouvaient jouer sans problème, sans bug, sans rien, avec leur, leur 3G, leur 4G de leur téléphone. Ici, vous faites ça, vous vous retrouvez avec un hors forfait qui va vous coûter 200$ le mois minimum, si vous avez de la chance. Allez, allez. Ça passe pas. Ah non, en fait, il y a eu faute. L'adversaire qui commence à perdre son sang-froid. Franchement, les gars, on a souffert. On a souffert sur ces qualifs. Pouah. Le mec, il lance que des tacles de bûcheron depuis tout à l'heure. Il doit être un peu dégoûté, hein. Ricotta.
Ok, bon bah c'est super les frérots, on se qualifie pour la prochaine League Weekend. On a galéré, regardez la joie de Bailly, la détresse des adversaires. Qui fait plaisir, parce qu'on a galéré sur ce match les mecs. On méritait largement la victoire, franchement. On est vainqueur de la compétition, on obtient le petit pack or et 1500 crédits. Ça fait plaisir. Les mecs ont mérité franchement la victoire. Hein. On méritait franchement la victoire. Il y a eu un but de Costa, Sterling et de Mané. Mais quand vous voyez les stats, les gars, franchement, j'aurais pas dû aller jusque-là. Regardez, j'ai galéré, je suis allé en prolongation. J'ai dû revenir sur penalty. Regardez le nombre d'actions. 19 tirs, 15 cadrés et 65% de possession pour 7 tirs, 3 cadrés de l'adversaire. C'est quand même assez incroyable. Enfin bref, on va aller ouvrir le petit pack or. En espérant, pourquoi pas, toucher quelque chose d'intéressant. Après cela, les frérots, je vais aller faire vos grosses affiches. Je sais que vous les attendez. Allez, 12 éléments dits or et un rare. Bon, je pense pas qu'on va packer quelque chose de fou, mais... pourquoi pas. Bon, on n'a pas d'écran. Ça m'étonne pas beaucoup. On obtient Amat, joueur du Betis Séville. Ok. Ouais, c'est un tout petit pack, hein. Tout petit. Bon, rien de spécial. En tout cas les frérots, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais partager avec vous cette finale de compétition. Je compte sur vous bien évidemment pour laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille!